Allez, let's go. Tayo. Ouh, Trunksou. Merci Trunks. Merci d'être venu. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Merci Trunks. Allez. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo invocation qui n'était absolument pas prévue à la base, mais suite à une grosse donation qui a été faite sur un précédent live et spécialement pour aller invoquer là-dessus, eh bien je vais honorer cette promesse. Merci encore une fois à Thibaut qui a fait une très grosse donation justement pour pouvoir aller invoquer là-dessus. Alors la dernière fois, on est parti sur le côté obscur de la force avec le Freezer, effectivement, que je n'ai pas réussi à obtenir, Bardock, que j'ai obtenu en doublon, donc tant mieux. Et aujourd'hui, eh bien, on va partir sur le côté lumineux de la force, j'ai envie de dire, puisqu'on va aller chercher Piccolo, Goku, Raditz, je l'ai déjà. D'ailleurs, assez spécialement, bizarrement, j'ai eu un ticket, du coup, sur le côté Evil, un ticket Sparking Guarantee, là, du coup, vu que j'en avais 5. Bah du coup j'ai réussi à l'obtenir dedans, dans le côté Evil et non pas dans l'autre côté là où il est présenté, donc j'ai pas trop compris, mais ma foi, tant mieux puisque je ne l'avais pas, et en espérant bien que ça se passe tout aussi bien, voire mieux que sur ma précédente vidéo, puisque sur le côté Freezer, disons que j'ai quasiment tout eu, enfin tous les Freezers du monde, sauf le nouveau, donc un petit peu triste, je pense que j'utiliserai un ticket peut-être pour croiser les doigts et espérer aller le chercher, et puis sinon bah tout le reste, messieurs dames, on est parti pour Goku, Piccolo, Raditz, tout ci tout ça. D'ailleurs j'ai pas vu les autres personnages qu'il y a dans le détecteur, je vais juste regarder très rapidement, je veux me faire une petite idée. Donc il y a le Piccolo forcément qui est excellent, il y a le Goku, le Raditz je sais pas ce qu'il vaut. Ah il y a le Goku SJ3 que j'ai aussi déjà, Kid Buu tiens, que j'ai déjà aussi, lui je l'ai mais j'ai pas de doublon, enfin je l'ai que en 2 étoiles, donc je prends lui, je l'ai toujours pas. Lui, bon, je l'ai en masse fois, et bon, après, ok, très bien. Bon, le portail est un poil moins intéressant que celui de Freezer, hein, quand même, par rapport à ma box. Mais bon, c'est pas grave, c'est du bonus aujourd'hui. Thibaut, encore une fois, merci à toi. Et sur ce, eh bien, on est parti. Let's go pour la première multi-invocation. Et en espérant, que bah, ça se passe bien. La dernière fois, je faisais le rire de Freezer, ça se passait super bien. Aujourd'hui, Makanko Zappo. Vas-y, let's go. En espérant qu'on démarre direct avec du lourd. La dernière fois, je sais qu'à chaque fois, je faisais le rire de Freezer, vu que c'était son portail. C'était incroyable, on avait que des invocations de ouf. Là, pour le coup, ça démarre, c'est bleu, ça me fait peur tout ça. Oula, j'ai un bug graphique en plus. Ok, sympa le bug graphique, le petit ciel bleu, tout ça, on connaît. Et malheureusement, je pense que la première mini-multi-invocation, vu que c'est 3 personnages, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, c'est la première, c'est pas grave. On a un petit ticket, du coup, ça nous en fait 4. Eh bien, on va passer à la deuxième multi. Attention, cette fois-ci, c'est quoi? C'est 5 tirages ou c'est comment? Attends, voyons voir, liste des paliers. Ouais, c'est ça, 5 tirages. Extrême ou plus garantie. C'est rare d'avoir du sparking là-dessus. La dernière fois, on l'a fait. Est-ce qu'on peut rééditer l'exploit? 3, 2, 1, c'est parti. Makanko Zappo, vas-y, go. Espérons que ça porte bonheur. 3 capsules. Pas de Taio, pas de Vegeta, pas de Bardock, pas de Trunks, pas de ci, pas de ça. Très bien. La bagarre, c'est à égalité. Si c'est bleu, ça sent pas bon. Oh, sparking garantie. Sparking garantie, les gars. Let's go le Makanko Zappo qui va payer. Let's go le Makanko Zappo. Bam. Allez, let's go. Freezer qui est pas bien. Alors, on m'a dit d'ailleurs, Lilian arrête de dire qu'il fait une crise cardiaque parce qu'il se met pas la main sur le cœur mais sur la poitrine à droite. C'est vrai que j'avais pas remarqué. Mais bon, c'est pareil. Ça reste une crise cardiaque. Même si c'est pas vrai, on s'en fout. C'est 17. Goku. Il ouvre mon sparking. Ça va être le dernier. Ok, Vegeta. Il est là. Ah, Vegeta, je te maudis sur 10 générations. Ah, je te maudis sur 10 générations, je le déteste. Ah, je le déteste, ce Vegeta, je le déteste. Je l'ai en combien d'étoiles? Ah, je l'ai trop de fois, pour... Ah, je l'ai beaucoup trop de fois. Oh là là, non, attends, c'est pas lui qui est avec autant d'étoiles. Je sais plus en combien d'étoiles il est, mais il en beaucoup. Oh là là, étoile rouge, oh là là. Pas qu'il est mauvais, hein, mais... Est-ce que j'ai réellement envie d'avoir ce Vegeta quand je sais que, par exemple, dans le portail, bah déjà, il y a Goku, il y a Piccolo, quand il y a Raditz aussi, que j'ai eu qu'une seule fois, quand je sais qu'il y a Kid Buu, il faut que j'aille chercher la 6ème étoile dessus avec un seul tirage dessus, quand je sais qu'il y a le Goku SJ3 légendary, là, je sais pas quoi, là, donc, ouais, un petit peu déçu de ce sparking, clairement, mais c'est pas terminé, on arrive au 3ème palier, cette fois-ci, 10 tirages. Pour aller chercher du sparking. Ready? Makanko Zappo! Dans ton crâne. Allez, let's go. Piccolo, Goku, ça tombe ici. Les deux dans la même multi. On n'en parle plus. On termine la vidéo. Allez, ciao, 1, 2, 3, 4, 5, je crois.
C'était rouge dans le ciel. C'est de la lave au sol. C'est de la bagarre ici. Oh. Oui, c'est un nouveau perso. Ça, c'est... je crois que c'est perso de... C'est Goku ou Piccolo, ça, non? C'est où? À moins que ça compte aussi le Goku SJ3 dedans. Je sais plus. Voyons voir. Mais en tout cas, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu cette animation. Ah là là, là, ça régale. Là, ça régale. Là, ça régale. Là, ça régale. Peut-être pas le Goku. Je sais plus si c'est... Bardock, à chaque fois, vous me dites c'est quoi l'animation. À chaque fois, j'oublie. Je sais plus si c'est un L qui est garanti ou si c'est perso détecteur, là, les deux persos en vedette, quoi. Je sais plus. De toute façon, on va vite le voir. Ok, Gohan. Il ouvre mon sparking. Il ouvre mon sparking. Il va arriver en dernier. Le voici. Et c'est Piccolo. Let's go. Let's go, le Piccolo. Nice-ou. Naisu, le Makanko Zappo qui paye aujourd'hui. Le Makanko Zappo qui paye, quoi. Oh, encore un sparking. Oh, et Goku, je l'avais pas. Je sais pas si encore aujourd'hui il est totalement viable ou quoi. Mais je l'avais pas, je prends avec grand plaisir. Oh, la multi, elle est incroyable. Alors c'est pas Piccolo Goku, mais c'est Piccolo. Et c'est le nouveau Goku, enfin le nouveau, l'ancien Goku. Mais nouveau Goku parce que je l'avais pas dans la box. Donc du coup, ouais, carrément que je suis content. Ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Et puis surtout le Piccolo. Bon, par contre, je t'avoue que j'aurais préféré la dernière fois avoir Freezer. Mais Piccolo, écoute, je dis pas non. Je dis pas non. Vraiment, l'animation Bardock qui est venue régaler, effectivement. Et c'était du coup le LL du coup de la bannière. Et ça fait plaisir. Ok, très bien, très bien. Parfait. Et puis le petit Goku, je prends aussi. Je prends carrément. Quatrième palier. On est parti. 3-2-1. Extrême au plus garanti. Makanko Zappo. Vas-y, let's go. Allez, on y va. Avec un peu de chance encore. Il faut que ça paye. 3 capsules. Là, ça me parle un petit peu moins, ça. Ça me parle un petit peu moins. Pas de transformation Super Saiyajin. Pas de Taio. Pas de Vegeta. Pas de Bardock. Pas de Trunks. Pas de ci, pas de ça. En plus, on se fait éclater. Ça sent pas bon. C'est bleu. Ça sent la multi-extrême, ça. Voyons voir, on sait jamais avec un miracle. Avec un miracle par ici, malheureusement. Oh, on va subir carrément. S'il te plaît, Vegeta. Même pas. Bon, on a subi. Bon. Ça sera extrême ou plus garanti, mais ça sera full extrême, ma foi. Taio Pai Pai. Alors, à la rigueur, il y a des extrêmes qui sont super intéressants à aller chercher aussi. À condition d'y aller, bien évidemment. Parce que là, on se tape tous les anciens extrêmes, ce qui est pas forcément fabuleux, puisque je les ai déjà tous au max. Krillin, par contre, tu vois, Krillin, la carte, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais la carte de Krillin est vraiment magnifique pour le coup. Ouh, j'ai cru qu'il allait se transformer, lui. Mais ça arrive pas comme ça, ouais. Bouta, elle est pas mal aussi, sa carte, là. Pan. Ok, la dernière. Gohan. Ok. Pas ouf. Bah, tu vois, de toute façon, la plupart, tu vois, c'est pas fabuleux. Par contre, le Krillin, il passe en 2 étoiles. C'est des radins, non, sur les extrêmes, en termes d'étoiles. Pourquoi il était 1 étoile, il passe 2 étoiles? Ils peuvent pas donner un peu plus de... Tu sais, comme sur les sparkings, donner 600, ça serait bien aussi. Comme ça, on passe direct 3 étoiles, on n'en parle plus, quoi. Aïe, 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 je viens de voir un truc qui me plaît, là. Là, je viens de voir un truc qui me plaît. On arrive sur le 5e palier. C'est une multi à 1000. Par contre, chance de nouveau personnage x2. Bon, la dernière fois, ça a pas payé, ce truc. Ça a vraiment pas payé. Je crois que j'avais eu le Freezer, mais c'était pas le bon. C'était le Freezer plein de puissance jaune, du coup. Ma foi, si un Goku, par hasard, si Goku, tu veux tomber, ça serait cool. Et je pense que on va faire tomber Goku. Il faut qu'on force la chance. On peut pas le laisser venir intervenir tout seul. On va faire intervenir la chance. Allez, vas-y, go. Tout à l'heure, Makanko Zappo, ça a payé. Là, j'ai fait un gros Kamehameha, le meilleur Kamehameha possible. Alors, s'il te plaît, tu sors Goku maintenant. Ok, 3 capsules. C'est rouge en haut, c'est orange en bas. Et on se fait démonter dans le duel. Ah, ça me plaît pas, ça. Dis-moi pas que c'est bleu, quand même. C'est rouge. Y a rien de garanti. Ça, j'aime beaucoup, ça. Ça, j'aime même un peu moins. Et j'aime encore moins quand ça se termine au milieu. Oh! C'est bon, let's go. Oh, Goku, tu nous as entendu. Tu nous as entendu, Goku. C'est sûr. Et d'ailleurs, on commence la mutée avec un Goku. Il y a Goku à SJ3. C'est un signe. C'est sûr et certain. Frost. Très bien. Rikum. Non, ça, c'est un extrême. Ok, c'est 19 que j'ai déjà à 3000%. Dodoria. Sparking. Ok,
Ok, c'est un Goku, mais c'est pas le nouveau. C'est pas le nouveau, mais ça, j'espère que c'est pas terminé. Mais c'est pas le nouveau Goku, malheureusement. C'est pas le nouveau, et en plus on l'a eu tout à l'heure, bon, il passe 3 étoiles ceci dit, donc tant mieux, c'est un peu plus intéressant, parce qu'aujourd'hui vous savez que les étoiles ça reste vachement important, comparé au tout début, Trunks jaune, est-ce qu'il y aura un autre Sparking ou pas? Non. Ah, Goku il nous a entendu, hein. Il nous a entendu Goku, hein. Mais alors c'est pas celui qu'on aurait voulu qu'il nous entende. 3 étoiles, ok, 20% à la défense d'énergie de base des classes famille de Goku, je prends clairement parce que famille Goku, bah c'est compliqué, j'ai même pas les Gohan SSJ2 et tout, donc j'avoue que ma famille Goku, c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment très très compliqué, par contre je crois que j'ai le Goku SSJ4, donc ma foi, et puis j'ai d'autres personnages qui peuvent rentrer dedans, donc ça peut éventuellement le faire, mais... Ouais, j'aurais bien aimé avoir le nouveau Goku quand même. Il y avait tout qui était coordonné, t'as vu, c'était tout était lié en fait. Il y avait des Goku partout, il y avait de tout. Mais bon, ma foi, c'est le jeu ma pauvre Lucette. 6ème palier, avant-dernier palier. Attention, multi-simple, rien de spécial là-dessus je crois. Liste des paliers, 6, 10 personnages, rien de spécial. Un ticket après pour un Sparking garanti offert. Eh bien allons-y, c'est parti. Je vais rebalancer un Kamehameha parce qu'il nous faut du Goku. Bam. Allez, vas-y, go, va le chercher. 3, 4, oula, 3 capsules, oula, le Kamehameha, j'ai un peu des doutes là, quand même, que ça paye, bizarrement. Kamehameha, je suis pas serein, là. Égalité ici, oh, je suis vraiment pas serein. Oh, rouge, quand même. Pas de transformation, crise cardiaque, Freezer. Ah, Frieza. Oui, ça, Goku, let's go, le Kamehameha qui paye. Allez, du bon Sparking, cette fois-ci. Pas le Goku, pas encore une fois lui, un autre si tu veux. Ok, il est là mon Sparking. Oui, le Kid Buu. Ok, je prends parce qu'il passe 6-7 étoiles là du coup. Parfait, normalement, si je me suis pas trompé, je prends. Même si c'est pas le nouveau Goku, c'est pas grave. Il passe 6-7 étoiles, donc ça devrait le faire, ça devrait être super cool ça. Son Gohan petit, ok, très bien. Ok, Nail, pour la team Regen, c'est parfait en vrai. Allez, un autre Sparking dans l'histoire, ça serait incroyable. Freezer. Hein, Gohan petit, ah, il n'y en aura pas d'autres. Il y aura que le Kid Buu, je pense. Ouais. Guldo, par contre, elle aussi, cette carte, elle est magnifique. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais elle est vraiment magnifique. Ok, ouais, c'est ça, il passe 6 étoiles en fait. Pas 7, mais il passe 6 étoiles. Du coup, il a capacité Z3 et puis même, j'augmente un peu ses stats. Même si, bon, le Kid Buu, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui le jouent. Moi, perso, je le joue dans la team Regen encore, donc ça va, je suis plutôt content. Et puis surtout, augmente 26% l'attaque physique et d'énergie de base classe régénération. Ça, je prends. Et puis, il booste ses stats de 17 000. Donc, du coup. C'est parfait mon petit Kid Buu, tu régales. Ma team Regen qui prend un petit léger power up. Très bien, bon. Parlons peu, parlons bien. Eh bien on arrive, les amis, sur la dernière multi-invocation, la gratuite. Toujours pas ce Goku qui est tombé. Ceci dit, après on a tout le portail. On a tout le portail. Donc, Goku, c'était pas hier, c'est pas demain. C'est maintenant mon frérot. Let's go. Kamehameha-makankosapo. Allez hop, comme ça j'invoque les deux. 1, 2, 3, 4, 5, c'est rouge, ça me fait plaisir. Ça se transforme pas Super Saiyajin, ça me fait pas plaisir. Ça se bagarre, ça fait plaisir. Ça défonce le Freezer, ça fait encore plus plaisir. Lancer du dragon, qu'est-ce qu'on adore ça. Ici, c'est rouge, ça fait zizir. Mais à la fois, ça fait pas zizir. Super Saiyajin, ça fait super plaisir. Crise cardiaque, même s'il n'a pas la main sur le cœur de Freezer, ça fait encore plus zizir et c'est Sparking garanti. Ok, let's go. Allez, maintenant, faut que ce soit un bon Sparking par contre. Ok, extrême. Ok, le C20. Ok, le sel. Allez, s'il te plaît. Nail, un bon Sparking. Déconne pas. Tenchi Han. Ok. Jace, ok. Raditz. Il ouvre mon Sparking. Ah, il va arriver à la fin. Vas-y. Goku. Now. Ah ça y est, alors lui, je ne l'ai jamais drop, ça fait un an qu'il est sur le jeu, ça fait plus de un an qu'il est sur le jeu, je ne l'ai pas drop une fois, et aujourd'hui, dans cette saloperie de vidéo, je chope ce Goku 3 fois, c'est pas possible, il reste 4 étoiles en plus, il monte même pas à 5-6 étoiles, ah je te maudis Goku, non là par contre, là frérot... Non, là, clairement, là, tu déconnes. Là, clairement, tu déconnes. Je te voulais, Goku, hein, je te voulais, hein. Mais j'avais pas besoin que tu sois en Super Saiyajin, tu vois. Moi, ça m'allait très bien que tu sois au début de l'arc DBZ, hein, tu vois. Pas saga Cell ou je sais pas où, là.
Ouais, ça, je crois que c'est Saga Cell en plus. Donc, ouais, non, t'es... Ah non, même pas, c'est Broly, autant pour moi. Oula, j'ai dit de la merde. Ok, c'est Broly. Ouais, voilà, tu déconnes. Vraiment, tu déconnes. Tu déconnes de ouf. Ça fait pas plaisir. Mais ceci dit, parce que la chance est avec nous, eh bien, nous avons 10 tickets. On a 10 tickets et... une possibilité d'aller récupérer encore ce Goku. Une autre possibilité aussi d'aller récupérer le... Peut-être le Freezer. Peut-être le Freezer. Un truc que j'ai remarqué la dernière fois, c'est que quand j'ai invoqué mon ticket sur le portail de Freezer, j'ai eu le Raditz quand même, alors qu'il est de l'autre côté. J'ai pas compris pourquoi. Mais ma foi. Ah mais parce que c'est les taux augmentés, c'est ça? Ouais ok, c'est taux augmentés, ok, je viens de capter. En fait, taux augmentés, c'est pour ça. Donc en fait, tu peux quand même l'obtenir de l'autre côté, mais t'as moins de chance. Ok. Bon. On va faire un premier ticket à droite. Le côté lumineux de la force, on va aller à droite. Suivant ce qu'on a, on ira peut-être à gauche. Parce que je veux cette saloperie de Freezer. Je le veux. Freezer, il me le faut. Bref, on part à droite. Et on va recommencer le... Makankamehamehamehamehame. Ah, allez, let's go. Taiyo. Ouh, Trunksu. Merci Trunks. Merci d'être venu. Ça fait tellement longtemps, je t'ai pas vu. Merci Trunks. Allez. Oh là là. Tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan ta 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 tan ta tan tan ta tan. Let's go, let's go, le petit Goku qui tombe et ça fait plaisir. Ah ouais non, là ça fait plaisir. Ok, parfait. Ah mais non. Ah ouais non, là c'est ça régale quoi. Merci Goku, merci d'être revenu dans cette box, de nous avoir régalé, de nous avoir fait plaisir. Franchement t'es le frérot. Ah Goku t'es le frérot. Merci à toi. Ça fait toujours plaisir, ça fait pas plaisir. Ok, le Goku qui a fini, eh bien, par tomber. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai tout ce qu'il y a à droite déjà, j'ai tout ce qu'il y a à droite. Je me dois d'aller à gauche. Je me dois d'aller à gauche, mais... Aïe, 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 c'est un risque, hein. C'est un risque. Hein. Ah, il y a du beau monde quand même, putain, il y a du beau monde partout. Ah, il y a le virus, tiens, je savais pas. Le Gohan, alors lui, tu vois, famille Goku, lui, je ne l'ai... Toujours pas. Je rêve de l'avoir, mais je n'arrive pas à l'avoir. Après, j'ai tout le monde. Sauf... bah, en fait, il y a que... Enfin, non, j'ai pas tout le monde, mais il me manque le Freezer, il me manque le Gohan. Bon, je vais aller sur Freezer. Je prends ma chance sur... ouais, sur Freezer. Je vais prendre ma chance sur Freezer. Il me le faut. Il me le faut et je la sens bien. Je la sens bien. Ouh, Allez, go. Vas-y, s'il te plaît. Un, deux, un. Oh Trunks, il est de retour! Il est de retour! Oh s'il te plaît Trunks! Oh s'il te plaît! Oh s'il te plaît Trunks! Oh s'il te plaît Trunks! Pas Bardock! Surtout pas le Bardock! Parce que le Bardock, je l'ai déjà, c'est bon, 3 étoiles! Allez! Ah Goku! Encore! Qu'est-ce qu'il nous veut? Bon ok, je prends quand même! Mais qu'est-ce qu'il nous veut à retomber celui-là là? Mais ok, je prends. Goku, 3 étoiles, du coup. Très bien, bah, très très bien, ma foi. C'est quand même très très bien, très très fort, très très bon. Donc je prends quand même avec plaisir. Mais... c'était Freezer que j'ai appelé, c'était pas Goku, quoi. L'attaque physique de base des classes Saiyan et des épisodes Saga Z, les Saiyan. Très bien. Merci, Monsieur Goku, d'être tombé dans la plus simple de tes formes, comme ça. Ok, très bien. Ça fait plaisir. Bon, mais en soi, les tickets auront été rentables, puisque bon, deux Goku quand même, comme ça, je le passe 3 étoiles. Donc en soi, ma foi, c'est pas des sparkings de merde qu'on a eu dans les tickets, même si c'est un doublon. Et puis après, bon, sur le portail, par contre, un peu trop de Goku jaune, quoi. Un petit peu trop de Goku jaune. Voilà, on aurait pu en enlever un et peut-être aller chercher, je sais pas, un autre personnage. Peu importe en vrai, mais bon. Un peu trop de Goku jaune. Mais beaucoup de Goku qui sont tombés aujourd'hui. Pas de Raditz, hein, par contre, on notera. Aucun Raditz qui n'a voulu tomber. Nuno Miguel Mendez Barros de la Vega, merci à toi pour le follow dans la vidéo. Tu régales. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez eu un peu plus de chance de votre côté quand vous avez invoqué, bah, certainement la semaine dernière ou si vous invoquez cette semaine. Pour ma part, je vais remercier encore du coup Thibaut, le grand donateur de cette vidéo, qui voulait absolument faire une donation pour qu'on aille invoquer sur le portail. Donc vraiment, merci à lui. Et puis, quant à nous, eh bien, on va arrêter par là. Ça va, on aura été plus ou moins chanceux encore une fois. En tout cas, il y a eu pas mal de sparking, même si c'est pas non plus tout ce qu'on voulait. Ceci dit, il y a eu le Piccolo, et ça quand même, le taux de drop, quand on sait comment il est dégueulasse, bah, clairement, on peut que
que s'incliner. Donc vraiment merci des belles légendes aujourd'hui. Et bah du coup bah, on testera ça assez rapidement de mon côté. Et puis pourquoi pas peut-être en live prochainement, le temps que je continue à m'entraîner sur téléphone, parce que c'est vraiment pas simple. Bref, je vous laisse là. Merci à tous d'avoir maté cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aux réseaux sociaux aussi, puisqu'il y a des concours qui arrivent. Twitter, Instagram, encore une fois. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens. Et puis si vous voulez soutenir aussi, n'hésitez pas à aller sur la page Utip, regarder quelques publicités, c'est gratuit. Et ça permet de financer bah, justement les prochaines invocations. Merci à tous, bonne fin de journée et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Legends. Ciao tout le monde.